Hop, si c'est bon, ça marche. Change juste. Voilà. Donc là, c'est la boîte de base, hein, devant, derrière. Un peu de cheapos, le carton. Ils auraient pu faire un peu mieux. Hein, donc ça, c'est le petit. J'allais dire spin card, mais bon, c'est pas une spin card, mais c'est le petit papier qui m'était collé au dos. Donc dedans, on a un steelbook. Bonne facture. C'est le truc que je regrette sur le steelbook Switch, c'est qu'ils mettent pas le nom du jeu sur le côté. Donc une fois ouvert, ça fait une sorte de petit artwork métallisé et tout. Plus des images dedans. Donc là, on a un code pour télécharger les musiques, mais j'ai pas flouté parce que j'ai déjà utilisé le code, donc ça servira à rien. Donc les musiques, donc le qui permet d'avoir 20 musiques en téléchargement. Galère à choper d'ailleurs. J'ai dû passer par un deuxième compte parce que sur le premier ça marchait pas. Ensuite, donc bah, c'est le jeu boîte normale. Avantage, elle a pas les logos USK dégueulasses allemands qui sont énormes. Ni le Peggy, donc plutôt clean. Avec l'image intérieure. Ensuite, hop, je pose ça. Dessous, on a donc le vinyle qui contient 12 pistes. Donc les téléchargements contiennent 20, hein, y compris les 12 pistes de vinyle. J'ai pas tout vérifié, mais il me semble. Après, j'ai pas écouté le vinyle, j'ai pas de platine vinyle. C'est plus pour l'objet. Un vinyle qui est plutôt, plutôt classe. Design. J'aime bien le design. Même si je préfère le vinyle de Ni no Kuni 2, était encore plus classe. Ensuite dedans, on a, vu que j'avais commandé sur la Fnac, j'avais un poster de précommande. Mais pas top top, hein. C'est un poster noir et blanc. Enfin ouais, j'ai pas trouvé top. Chez Micromania c'était un porte-clés. Ensuite on a un autre poster qui est lui, on est dans l'édition collector. Poster format carré. Le papier est plutôt de bonne qualité. Bon, après, faut réussir à lever les plis, mais le papier est de bonne qualité. Ok, porte-clés pas top. Et enfin, dedans, le gros bouquin qui avait pas pareil sur le Xenoblade 2. Donc, un artbook de 250 pages. Hop, je zoome un peu. Ah merde, ah ça c'est ballot. Moi ça va. J'avais pas de protection dans le carton, mais il était à peu près à la bonne taille, donc il a pas été abîmé. Donc on a un artbook. Bon, je commence par la fin parce que c'était plus pratique pour filmer. Donc on a des storyboards, des dessins d'armes, enfin design d'armes. Après qu'est-ce qu'on a? Après c'est tout ce qui est environnement. Les ennemis, les dizaines de créatures, des designs d'NPC. Ok, c'est l'artbook mais pas la boîte. Ok, peut-être. Et après les persos du jeu. Voilà. En tout cas, 250 pages, il y a de quoi feuilleter. Ouais, il est classe. C'est après sur les collectors. Ah mais ça boucle. J'ai oublié de dire d'arrêter de boucler la vidéo. Hop, tac. Bon, je laisse boucler. Ouais, il est classe. Après, le packaging, comment dire, j'aurais aimé qu'ils aient fait juste l'extérieur, un carton comme un Gravely Default. L'édition collector, le carton, là c'est vraiment top, c'est même le toucher du carton est particulier. Après, ouais, il est bien complet. Je sais pas, c'est pour 100 euros,
C'est Salvo, je pense. Bah, le 2 aussi était pas mal. Il y avait l'OS. Il y avait Conal 2. Il y avait le Artbook. Il y avait un Steelbook aussi. Il y avait si une sound selection. Par contre, il n'y avait pas de poster. Mais c'était après le sound selection sur CD. Et par contre, le premier Xenoblade sur la Wii. Je sais qu'il y a une édition avec la manette Pro en rouge. Mais je sais pas s'il y a une édition collector. Ok. À part peut-être Ouais, après les manettes Wii, c'est pas top top top. Une manette Pro Wii, c'est la manette basique, mais ju avec juste un grip en plus, quoi. Ok, il y a un steelbook. Parce que la version Wii, moi je l'ai topé que dans un cache. Parce que je l'avais pas acheté à l'époque. Ok. Voilà. 3DS, je sais pas. Après, peut-être au Japon, ils ont peut-être eu des versions. D'autres versions collector. Mais en tout cas, sur Xenoblade Chronicles. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'avais oublié lui. En plus, je l'ai dit en collector. Donc, t'avais le jeu, un steelbook, un mini artbook, des posters. Par contre, pas d'OST, je crois. Et donc, ouais, pour venir vite fait, du coup, comme je disais, on a eu de la chance en Europe, c'est que ouais, on avait le vinyle plus le code téléchargement pour les musiques. La version américaine et je crois peut-être aussi japonaise, ils l'ont pas. Ils avaient juste l'artbook, le jeu, le steelbook. Peut-être même pas le aussi poster. Je sais plus. Enfin bref. Bon, on va peut-être passer au jeu. Donc pour info, Xenoblade. Ok, il y a le CD. Donc pour info, le premier Xenoblade Chronicles, je l'ai jamais fait. Enfin, jamais. J'avais commencé un tout petit peu le début. Mais j'étais passé en plus par Dolphin, histoire d'avoir des textures un peu plus à jour. Mais à part le début, j'ai jamais fait, donc ça va être quasi découverte. Donc ouais, on va me faire à presque 2 heures jusqu'à minuit. Et voilà. Donc hop, tac, j'ai mis ça, tac. Alors, je vais quitter Gnog et hop, non, c'est bon, ok. J'attends que. Si, c'est bon, ok, c'est bon, hop. On coupe. Ok, il y a le son. Allez. Ok, bah bonne découverte à toi aussi. Et n'hésite pas si ça te dit. Je sais pas si t'es déjà. T'as déjà suivi la chaîne. N'hésite pas à suivre la chaîne. Moi pour l'instant, je fais un stream tous les mercredis soirs. Et après, plus tard, normalement, on aura d'autres streamers qui viendront, James y compris. Mais bon, pour l'instant, dire la chaîne débute un peu, donc. Le contenu, on va dire, est. Pour l'instant, voilà. Il n'y a que moi les mercredis soirs. Et après, peut-être, de temps en temps, Founou. Founou Rabat 21. Je sais, il avait fait un stream. Enfin, pour l'instant, il avait fait un stream il y a un petit moment, déjà. Sur Street 4. Je crois qu'il avait prévu de le finir, mais je sais pas quand c'est qu'il le fera. Enfin bref, n'hésite pas à suivre la chaîne. Hein. Et bonne découverte du jeu à toi aussi. Ok. Ouais, cool alors. Allez. Donc, paramètres normal, j'ai déjà modifié japonais. Que j'avais version anglaise. Général, c'est jamais top. Vibration. Ok. Nouvelle partie. Ah ah. Ah ben en plus, cool ça.
bonus pour avoir joué à Xenoblade Chronicles 2. Alors qu'en plus, je l'ai jamais. J'ai le jeu, mais je l'ai jamais fait. J'ai trop de jeux que j'ai pas fait. Mais au moins, hop, j'ai un bonus. On va en profiter.遥か昔、この世界がまだどこまで行っても果てない海と、どこまで行っても尽きない空だけだった頃、二中の巨大な神が生まれた。互いの存亡をかけて戦い、そしてムクロとなった。それから幾万の昼と夜を経た今、僕らの世界、巨神のムクロの上に。Ah, oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Si, c'est bon, ça a repris. の乱れに乗じて進軍た機械の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな、ダンバン戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニー6まで後退。そこに最終防衛線を張るぞ。なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの世行きだからな。ちげねえ、そいつはとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何引かなきゃ死ぬが、引けば未来はつかめない。なら掴もうぜ未来。なに、俺たちにはこのモナドがある。掴めるさ、絶対にな。このイノシシが。これ以上は貴様の体がモナドについていけん。動きを見ていればわかる。その年でもう老眼か、ディクソン。俺は平気だよ、まだこいつは握れてる。イノシシには言葉が通じないか。よかろう、俺も付き合わせ。貴様の死に顔を拝んでやろう。あんたに拝まれるのだけは勘弁願いたいね。おいおいおい、撤退命令が出たって言ってたろ。俺はごめんだ。ダメダメ、お前も来るんだよ。そいつだって頼りにしてるんだ。敵の第二陣が進行開始しました。さーて、ダンバンよ、奴らに見せてやろうぜ。俺たちホームスの生き意地ってやつをよ。
承知。何が生き生きだよ、バカじゃねえのか。死んじまった冗談にもなんねえぜ。仕方ねえ、こうなったらダンバの野郎をおとりにして適当に隙を見て。Il a bien la gueule de méchant quand même. Hein. On sent que si lui il reste, ça va pas rester gentil. Déjà rien qu'avec la voix. Alors, elle voit aussi bien ennemi. Ok. 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 D'accord. Alors. Ça ne servira à rien. On se casse. Bon, il est pas assez loin. の英雄様もそろそろ限界のようだな。ムムカ、どこへ行く。そっちは悪いな。騎士兵どもの狙いはてめえのそげ、もうなどだ。せいぜい決まってやつらを引きつけてくれよ、この俺のためにさ。ムムカ、お前は墓ぐらいは立ててやるって心配すんな。じゃあな、甘えよ。待て。冗談だぜ。なんだかな、俺たちの悪運もここまでってか。ダンバー、
ディクソン、残りの兵を頼む。ダンバン、まさか貴様。バカな奴らだぜ。あとはほとぼりが冷めた頃見計らってノナどを拾いに行けば。いっちぃキシン・エドモン、ホムスを、巨神界の人間を食われるのを待つだけの餌と思うなよ。71式鬼神兵、こいつの光学系対空砲の照準に使えたはず。ダメか、完全に壊れてる。関節部分はひん曲がってるか。これじゃ使い物にならないな。69式だ。こいつの装甲、確か縦にちょうどよかったよな。ひっぺがして持って帰れないかな。シェイク、ライン、こいつ鬼神兵じゃない、コロニークライブだ。鬼神兵の装甲を空にしていたのか。俺が奴を引きつけて転倒させる。奴が転倒したらその隙に圧を打ち込んでくれ。あ、うまい。やっ、ビートだ。はい、どうぞ。ゆびーって来た、行くぜ、助かったよ、行ってきたぜ。やだ、
ありがとう、ライン。助かったよ。たく、一人で勝手に行っちまうんだもんな。あんまり離れるなよな、俺から。コロニーから一歩外へ出れば、こんなのがゴロゴロいるんだからさ。うん。でもおかげで、こいつの殻取れたし。コロニーのみんな、きっと喜ぶな。そういうことじゃなくて、まあいいか。そういうお前だから作ってくれるんだもんな。最高の武器、このジャンクバンカーだって優秀だぜ。ディクソンさんが作る武器の見よう見まねだけどね。ま、ダンバンのあれにはかなわないけどな。モナドか。いつかあの力の秘密解き明かしてみたいな。期待してるぜ。C'est moi ou les persos, du moins Shulk, il a des mains énormes.直角ヒゲに。直角ヒゲ、はあ、防衛隊長か。怖いもんね、あの人。そういうこと。ごめんね、防衛隊の休憩時間だったのに無理やり付き合わせて。いいって、さ、急ごうぜ。Ok. Alors, course automatique. Ah, d'accord. Je cours tout seul. Donc après. Ah, ok. Prends-moi. Donc R ciblé. J'ai la caméra.Ça c'est l'histoire, ça c'est recentré, ça c'est la minimap, la map tout court, plus le menu, Ouais, faut d'abord en déstabiliser, puis fuiter, puis hébéter. Le moyen il sert à rien. Carte, déplacer les. Dégainer, annuler. C'est-à-dire, on voit l'attaque. On cible, on attaque derrière.Blablabla.
Encore ? Ah oui, quand même. Mode facile. Ok. Ah non, pas lui jusqu'au bout. Hop, tac. Bon, hop, regardez. Allez. Donc ça, c'est les icônes d'hostilité, je crois. Moi j'ai l'attaqué pour voir. Là, shot, c'est déplacé. さてと、俺は防衛隊本部に顔出さなきゃな。お前は兵器開発局の研究棟か？うん。使わないパーツ売ってからね。分かった。じゃあまた後でな。 Ah mais du coup, j'ai pas eu le temps de voir. Quête, astuce. Jeu de quête. Ok. Il y a encore quand même des textures un peu baveuses. Mais bon. C'est de la Switch aussi.
Ok, donc ça c'est une boutique. Maintenant, catégorie. Objet de collection. Matériaux, mémoire. J'imagine que ça va servir pour faire du crafting, j'imagine, à un moment. Et ça. Je sais pas du tout, donc. Ah oui, après j'avais mon bonus de 5000. Ah, acheté. Ok, on a une notion de peau aussi. On peut mettre des gemmes. Bon allez, il faut en profiter. Ça ne sera que plus facile. Ah mon bikini, je peux pas mettre. Un plus deux. Tac. Tac. On va en prendre plus tard. Ah mais je suis con. J'ai pas fait gaffe. En fait j'ai qu'une arme que je peux utiliser. Hop. Non. Ok, donc c'est X le menu. À faire.
va faciliter un peu le début. On a une quête là. Deux diodes de lapin. Ah, c'est les fameuses quêtes FedEx. Que viens-tu dire? C'est quoi ces points? Ah, c'est lié, ok, c'est les personnes. Là. La personne dirait qu'il vole quand il est dans les airs. C'est une usine à quête ce mec ou quoi? Voilà. Moi je suis fou, dès le début je prends toutes les quêtes que je peux en fait. Alors, donc, quête, elle est déjà à 36 000. Enfin, 36 000. Des biscuits pour les petites filles. Ok.
体どういうつもりか。うわ、防衛隊長だ。民家に自走砲を激突。貴様、何年防衛隊をやっておる。しかし隊長、いくらなんでもあのスピードでの全開は無理です。軍事区まで40秒で戻るなんて無茶ですよ。言い訳なんぞ聞く耳持たん。気合で曲がれ、気合で。そんな貴様ら、コロニー6との合同演習において最低の成績を収め、俺の顔に泥を塗ったことをもう忘れたか。全ては気合が足りんからだ、気合が。はい。即刻居住区の自走砲を回収。その後全員腕立て1億回。貴様らの上司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 の上再充電には3日はかかるそうです。備品の補充は常に怠りなくと言っておろうが。は、申し訳ありません。たるんどるからだ。防衛隊長、相変わらずだな。あれじゃ戦う前に兵がへばっちゃうよ。Ah, ok, on peut pas. よーシュルク、元気だったか。ディクソンさん、いつコロニー9に戻られたんですか。ついさっきな。そんなことよりシュルク、モナドの研究の方は随分進んでるようだな。ここをお前に任せて正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。発動させることはできるんだな。ええ、とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が。奴以外にはまだ無理か。はい、ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば、僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか。ここに書いてある拡張機能というのは。まだ推測の域を出ていないんですが、どうもこいつはただ鬼神兵を切るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど、他の層にも模様が出る可能性がある。つまりはさらなる力が秘められてるかもしれんということか。モナド、この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん、怪我の程度の重いものを優先しろ。ぼやぼやするな。ダンバンさん、そんな顔するな、まだ生きてるよ。
Que lui a-t-il dit ?俺は仕入れた物を防衛隊に納入せんといかんのでな。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、行ってらっしゃい。シュルクよ、研究棟にこもってるか、ガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様の一日はどうせそんなとこなんだろ。だからそんな辛気臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸ってこい。じゃあな。食事か。わざわざ持ってきてくれなくても呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。病人扱いするな。もう1年前とは違うんだ。確かにね。あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ。もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え、シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味オンチなんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。うん、ありがとうお兄ちゃん。Ok, changement de perso. Oula, mais rapide là. そわそわして急ぎのようでもあるのか。うん、シルクに食事届けなきゃと思って。これから研究棟に行くところなの。シルクだったら今行ってもいないぜ。え、外の風に当たってこいってさっき追い出したからな。またいつもの場所じゃねえか。いつもの場所って丘の上の公園。多分な。そっか、ありがとうリクソンさん。
Ah non, merde. Oups. Ok. Ah merde, j'avais pas vu mes points de vie, chiotte. Ok, ça c'est cool, quand on termine une quête c'est direct, pas besoin de revenir. Alors là ils vont être deux. Ah. C'est mal barré. Il n'y a pas de chien. Ah si, on s'éloigne assez. Ah merde, ok, cela, ça se veut dire hostile. Pour le moment.
par contre, ils sont un peu trop prochains. Ah, je vais pas avoir. Il y a plein d'ennemis.強固な装甲を、いとも簡単に切り裂いてしまう剣。モナド。遥か昔、僕らの住むこの巨神界の神が、振るっていたと伝えられる剣。あの剣には秘密がある。だからこそ、ダンバンさんはあれほどに騎士兵を倒し、そして、右腕の自由を失った。 あの力の秘密を解き明かすことができたら。シルク。フィオル。美味しいよこれ。すっごく美味しい。本当に？すっごく美味しい。もう毎日それなんだもんな。そうかな。いつも美味しいけど。 気持ちいいね、風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。シルク、いつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。<笑>本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。 巨神の落とし物、最近は減ってたのにね。次が落ちてくるかもしれない。ここは迎撃対象区域外だから研究棟に帰ろう。
pas le film, quoi. Ok, c'est bien. On peut pas changer l'ordre, ok. Et en fait, c'est tout un bas les monstres. Ça c'est la quête biscuit je pense. C'est ça. Ouais, du coup faut revenir voir la grammaire. Si je me souviens bien, je crois que je m'étais arrêté par là quand j'avais fait le début sur la Wii. Donc, j'étais pas allé bien loin. Ok, après on revient là-bas. Sur la plage, si on peut faire quelques quêtes.
essayer d'avoir lui. Par derrière, le bête qui a chuté. Par derrière. Ah, 30 de love, mais... quoi qu'après j'ai le spécial. Si je mets par derrière. Ah putain, il s'est retourné. Faire gaffe, c'est hostile. Ah mais c'est raté. Je vais le tenter, mais je vais sauvegarder quand même. Le truc, il y a plein d'ennemis à côté. On peut nager ? Ah, on peut nager. Ah, c'est un peu isolé.
Ouch. Bah du coup, chargé. Sous-grave, quête encyclopédie, caméra. Ah, là c'était là. Ah, il n'y a pas de dash. Ouais, du coup, je vais faire plus tard, c'est pas de dash. Il y a une quête sur un objet et un point d'exclamation. Du coup, j'aimerais bien avoir la liste des kits d'objets pour savoir vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, c'est plus grave. Blablabla. Donc, non, je connais pas les types d'objets.
Ah mince. Je peux aller revoir le... la madame. Une option sur ça, hein. Sur la carte. Ah, voilà. Rotative. Ah, je level up. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est les souliers, je crois. Et on peut les changer, ça c'est cool. Force 55. Ok, donc ça c'est pour fabrication de gemmes. Une journée c'est 24 minutes. Donc chaque minute in game c'est une seconde. ラインやってるんだ。シュルク、いや、これは。
何ともないのかフィオルン。ああ大丈夫。ああ壊れちゃった。壊れちゃったって私の体は心配してくれないの？別にどこも切れてないだろ。モナドは人は切れないんだからさ。そんなことよりラインひどいよ。すまん頼み事があったんだけど、いなかったしさ。お前、僕だって外の空気を吸いたくなることもある。体まだしびれてる？モナドをしまい込んである理由わかったろ？ああ、骨身に染みたよ。ちょっと触ってみたかっただけなんだ。悪い。にしてもモナド人は切れないって。その円の中に書いてある模様、いや文字かな。多分今のモナドが発揮できる能力を表しているんだと思う。それが文字？なあ、この文字を増やす方法を見つけたらきっと。理屈は分かったわ。でもね、私より機械の心配ばっかりしてるってどういうこと？どういうって、今説明した通り。そういう問題じゃないでしょ。あ、ごめん。ほんとモナドがねえか弱えよな、アテミーラは。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。こいつは憎い仇だ。この刃あと一歩届かなかったようだ。やめろ。シュルク、ねえシュルク、どうしちまったんだよ。ライン、フィオル、大丈夫？どこか痛いの？まただ。ライン、モナドを握った時何か見えなかった？何かって、さっきと同じように青い光の刃が出たじゃないか。そうじゃなくて、まるで時間が止まったような感じがして。それで。時間が止まった？あれは、あれが見えたのは僕だけなのか？やっぱり変よ。これもモナドのせい？さあどうかな。しかしいくらすごい剣だって言っても、握るたびにこんな目に遭うんじゃ、やっぱりダンバン以外には使えないよな。お兄ちゃんにだってもう使わせないわよ。これがあったせいでお兄ちゃんは。あ、ごめん、そういうつもりで言ったわけじゃ。二人とも僕は平気だから。本当言うと何度もこういうこと起きてるんだ。ずっとモナドを調べてきたんだしね。ちょっとシュル君、何度もこんなことがあったって。心配いらないよ。で、何か頼みがあるんじゃなかった、ライン？おお、そうだそうだ、あの直角ヒゲに懲罰任務食らっちゃってさ、付き合ってくんないか？懲罰？そういえば防衛隊長、今日も荒れてたね。殴られなかった？いや、それがもう殴られたの殴られなかったのって、結局殴られたんだけどさ、おまけまでついてきたんだよ。蹴りと腹筋1000回と懲罰任務ってわけ。うわ、きつ。で、これから行かなきゃなんないんだ、マグメルドの遺跡。じゃあ任務ってエーテルシリンダーの回収か？そうそう、それ自走砲に使うんだって言ってたっけな。故障箇所は直したらしいんだけどさ、肝心のエネルギーが切れてて動かないんだと。供給所も在庫切らしているみたいだからさ。自走砲って居住区に突っ込んじゃったあの大きな機械のこと？うん、多分ね。お前あの辺の地理に詳しかったろ？なるほどね。いいよ、じゃあ一緒に行こうか。そう来なくっちゃ。あ、切れた。マグメルドの遺跡って確かデフラ洞窟を抜けた先でしょ？あの辺ってメルドリザドの巣窟だって聞いたけど。シュルクが怪我したらどうするのよ。ラインと違って繊細なんだから。なんだよそれ。平気だよ、
自分の身くらい自分で守れるって。でも分かった、約束する。シルクには傷一つ負わせないって。ラインの約束なんて果てになんないわよ。信用ねえな俺。そんなことないよ、口だけさ。Alors, compétences. Ok, 6 heures de compétences. On a passé de points. Ok, bien. Art. Ok, on peut organiser tout ça. Améliorer. Légèrement les dégâts. Ça. Bon, on va commencer par ça. On vit 260. Celui-là. Hop.
Ah, des nouvelles quêtes. Donc ça marchait pas. Alors. Ok. Ok, c'est pour les améliorations. Est-ce que je redépense encore tout à l'heure? Je t'en. Donc. Changer. Hop. Un clic. Ah. Oh. Un peu efficace ça. Finalement, j'aurais peut-être dû regarder d'abord mon inventaire. Non.
Ah putain, si c'est bon. S'il vous plaît. Ah, quoi que, attends. Il y a... Ah non, c'est au-dessus. Allez, on va essayer de l'avoir. Et j'ai pas sauvegardé, bien sûr. Bon, ça va, je pense pas trop loin. Bon, par contre, on garde la... l'heure revient. Ok. Si on crève, on revient au point de passage. Du coup les 4 sont quand même considérés terminés, ok, c'est juste un point de passage.
ものよ、二人とも。運搬ケース必要でしょ。フィオル、私も行くことにしたから。うちで心配してるより横で戦ってる方が安心だもん。さ、行こう。やっぱ信用ねえな俺みたいだね。はい。はい。La petite mousse en quête. はい。はい。いや、出た出た。Ah, pas assez de niveau parier. Pas le niveau requis. Voilà, il y en a un qui attaque à vue et deux autres qui n'attaquent pas. Et quand ils sont à côté, ça va être dur de pas se taper les trois. En même temps, ça doit être fait exprès. Hop, allez. Oula. Attaque à vue, on va éviter. Surtout la taille. Ah, il est tout seul. Ah, j'ai raté. Et j'ai raté. Come on.
Ouais, il faut quand même enchaîner les combats si on veut garder la, la jauge assez haut quoi. Lui qu'on m'a vu. ここがマグメルドの遺跡。初めて来たんだっけ、フィオルン。うん。防衛隊はよく訓練に使ってるし、僕はいろいろ調べたりしに来るけど、普通は用ないからね、こんなとこ。まあな。この辺りには鬼神兵の部品をまとったモンスターもいるわけだしな。これも鬼神兵のものなの？多分違うと思う。人が入る通路があるし、これは乗り物だったんじゃないかな。防衛隊のホバー輸送艇みたいなもんか。乗り物、こんな大きいのに。うん、すごい技術だよ。一体どんな人たちだったんだろうね、これを作ったのって。俺にはさっぱり見当つかないね。さあ行こうか。エーテルシリンダーがあるのはこの先だよ。おう。Vers minuit, on va s'arrêter là. Ok, j'ai débloqué la fast travel. Bon, sauvegarde. Hop. Oui. Et on s'arrête là. Et en plus, j'ai gagné un niveau en découvrant le. Héroïne. Donc bah, pour l'instant bon, je suis vraiment qu'au tout début du jeu, voilà, ça fait à peine 1h50 que j'y suis. Mais plutôt sympathique. C'est un peu déroutant le coup de bah, des combats où en fait c'est des coups automatiques, en fait on fait que déclencher des coups spéciaux. Après j'imagine qu'il faut savoir quand les déclencher au bon moment. Faire les bons enchaînements et tout. Après voilà, je suis qu'au début donc j'ai que 3 persos, j'ai pas beaucoup d'art disponible. Mais pour l'instant c'est plutôt sympathique. A voir la suite. Que je ferai un off.